Salut à tous, c'est TheMaster67 et on se retrouve pour cet épisode 8 sur Zelda Twilight Princess. Alors dans l'épisode précédent, on est redevenu humain et dans cet épisode on va vers le temple Sylvèves. Bien, je crois que les armes que j'ai eu tant de mal à obtenir pour toi, bon, enfin toutes les armes qui a eu tant de mal, c'est moi qui les ai cherchées. Donne des coups d'épée avec la humote et après toi derrière ton bouclier avec Z, tu peux dire merci. Mais non, je ne te prends pas pour un idiot, je sais que je pense à dire merci. Si tu me prends pour un idiot. Je crois que je sais pas me battre. Et voici la fin stylée. Au revoir, au revoir. On va cache tourner. Alors aujourd'hui, on est le 11 janvier 2013 et je pense encore tourner un épisode demain. C'est bien ce que je pensais. Tu es le gars de Toral, hein? Tu me disais aussi que tu y ressemblais pas mal, mais à cause de cette tunique, j'avais un léger doute. Ah, au fait, je ferais attention si j'étais toi, parce que c'est plutôt dangereux dans le coin en ce moment. Il y a plein de monstres par ici, alors j'ai fermé le chemin qui mène au temple Sylvestre. Oh, mais peut-être que tu voulais y aller? Bah oui, je vais aller rééquiper pour... Tu me diras, tiens, je te la donne. La petite clé. Tant que j'y pense, dans la forêt de l'autre côté de la grotte, il y aura un sacré boulard. Il y a un sacré sanglier. Si tu as l'intention de t'aventurer plus loin dans la forêt, il te faudra même des réserves d'huile. Sont bien, j'ai fait une super. Un flacon plein d'huile pour son rebut qu'est-ce qu'on dit. Trop cher. Quoi? Mais tu n'as pas un rond? Avec quoi? Je t'ai fui des aventures gratis ou quoi? Je ne peux rien te vendre d'autre, mais de l'huile, ça j'ai. Alors reviens m'en acheter quand tu veux. Alors dès qu'on aura 100 rubis, on va aller le voir pour lui acheter ce flacon. Et maintenant, direction le temple Sylvestre. Alors dans cet épisode, je vais aller jusqu'au temple Sylvestre. Et je me réserve le temple Sylvestre pour la prochaine vidéo. Parce que, à mon avis, ça risque d'être serré pour faire le temple Sylvestre déjà en une vidéo. En plus, le temps que j'y aille, il me restera peut-être plus que 10 minutes de vidéo. Donc ça risque d'être encore plus chaud. Impossible même. Voilà, excusez-moi, j'évite un peu les combats. Mais voilà, c'est pour aller un peu plus vite. Bon, c'est vrai, maintenant j'ai plus la limite de temps, j'ai plus de temps à perdre. Et voilà, comme vous voyez, on peut plus y aller. Et on sort la lanterne. Et nous avons une belle petite scène où Link marche avec sa lanterne et le singe me vole. Quel connard. Oh, il esclave la fumée. Et qu'est-ce qu'il lui prend? Et toi, tu peux pas faire attention, j'ai plus de lanterne maintenant. Ouais, je sais. Maintenant, je n'ai plus rien équipé. Attends, je regarde ton truc. Et voilà. Bon, par contre, ça risque d'être un peu long. J'espère qu'il dissipe tout. Attends, moi, je sors déjà mes armes. Ah, qu'est-ce que c'est long. Quoi, une fois passé, on peut plus faire demi-tour. Et voilà. Et arrête de gaspiller mon huile. Oui, donc là, pendant ce moment, je ne sais pas vraiment quoi raconter. Pour raconter ma vie, mais voilà. Je sais pas si ça intéresserait beaucoup de gens. Ouais, voilà quoi. Qu'est-ce que c'est long, hein. J'ai pas envie de faire des livres parce que ça vous coupe quand même un moment qui risque une bonne partie de l'épisode. Là, on va déjà le monstre trop loin. Il veut m'en faire, hein. Tiens. Voilà. Allez, ici. Laisse-moi cette fumée. Allez, on y est presque. On y est presque. Regarde ça. Le truc largement inutile. Ah oui, je viens. Vous imaginez, je passe devant lui, il me demande de venir pour qu'il passe avant moi. Et il l'a fait encore tourner pour un truc inutile.
Et donc cet épisode durera vraiment, mais vraiment pas longtemps. Parce que voilà, c'est juste pour... voilà. Et ta-ta-la. Vous allez récupérer votre pantalon en mode guide si Mia sera vidée pour vous faire traverser la brume. Quel connard. Il pourrait au moins rembourser l'huile. Et voilà, donc on se met en chemin du temple sylvestre. Coucou. Ah oui, c'est vrai, je ne maîtrise pas encore le coup de grâce. Allez, lève-toi. Et pac. Il est un peu mieux en plus. Donc. Voilà, donc. J'ai pas vraiment quoi raconter. Bienvenue, achetez quelque chose. Et voilà. Et on n'est pas obligé de le payer. Mais il nous attaquera à chaque fois. Donc, oui. Mais tiens. Prochaine fois, faut des sous. Mais un rubis, et c'est tout. Il nous laisse partir comme ça. Si on met rien, il nous attaque. Et j'ai pas envie d'être attaqué. Et on rencontre le loup doré. Allez, c'est l'heure du fight. Et voilà, on se retrouve dans une salle très bizarre, enneigée. Et on se trouve derrière le château d'Hyrule et face à un soldat. Bam! Une lame sans courage est une lame impuissante. Tu es celui que les vicissitudes du destin ont désigné comme héros. Mais ton aptitude martiale est une disgrâce au vert que tu arbores. Tu te fous ma gueule. Le courage est vain sans force. Mais sans courage, la force n'est rien. Il te faudra ces deux qualités pour mener à ta quête à bien. C'est-à-dire trouver le vrai courage et se courir irrule menacé par cet immense périple. Tu devras suivre mon enseignement et apprendre les bottes que je puis te transmettre. Et ça y est, on apprend la première botte, le coup de grâce que j'ai parlé tout à l'heure. Un ennemi robuste ne pourra être que mis à terre par tes coups. Il se remettra vite debout et viendra aussitôt tenter de t'oscir. Il parle dans un langage bizarre. Le coup de grâce permet d'achever un ennemi évanoui avant qu'il ne reprenne ses esprits. C'est une botte mortelle. Un langage bizarre, c'est le langage d'époque. Pendant que ton ennemi est à terre, fixe-le avec Z et presse sur A pour te jeter dans les airs et retomber en donnant le coup fatal. Lorsqu'il te sera possible d'achever ainsi ton adversaire, tu verras coup de grâce A flotter devant tes yeux. Les yeux, il sera en bas de l'écran. Vas-y, montre-moi si tu as compris. J'ai toujours tout compris. Ça y est, visuel. Et il flotte vachement devant mes yeux. Ça y est. Après un peu moins de 10 minutes de vie, un peu moins de 9 minutes de vidéo, l'épisode va donc bientôt s'arrêter. Ton attaque fut d'une précision satisfaisante. Reste toujours à l'affût d'une occasion de porter ce coup de grâce avec A. Tu as maîtrisé le coup de grâce. Une petite démo pour montrer qu'on sait bien l'utiliser. Et on range l'épée avec style comme avant. Tu as appris le coup de grâce. Mets ton ennemi à terre, fixe-le avec Z et presse sur A pour lâcher de ce coup fatal. Il te reste encore 6 bottes à maîtriser. Seul est digne de ces techniques, celui dont les veines charrient le sang du héros, même en qui réside l'esprit d'un noble animal. Que croise ta puissance, que gonfle ton courage, et lorsque le moment sera venu, reviens en ces lieux pour ton prochain enseignement. Tends l'oreille et trouve le vent qui appelle l'esprit de la bête à travers la pierre. Trouve ce hurlement et reviens te présenter devant moi. Et n'oublie jamais, une lame sans courage est une lame impuissante. Adieu. Donc on nous dit ensemble, en gros, pour le retrouver, il faut être un loup et chercher une pierre avec un gros trou dedans. Je vous montrerai ça plus tard. Alors on va juste monter là-haut. Tuer les 2-3 monstres. Un petit coup de grâce, c'est cadeau. Et un rubis bleu, hein.
Et voilà mes amis, on se quitte devant la toile d'araignée. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à aimer. Allez, hop, ciao, ciao.